Bonjour à toutes et à tous, c'est Erinku, bienvenue dans l'épisode final de la Master Quest de Zelda Ocarina of Time. J'espère que vous allez bien, on est dans le château de Ganon. J'espère que ça va être assez différent, bien sûr. Regardez, il y a déjà des crânes pour nous accueillir, des têtes d'os. Voilà, ça change un petit peu, des sentinelles. Ah oui d'accord, et il y a directement un Agiant. D'entrée de jeu ça change. Très bien, la dernière fois on avait fini le gymnase Gerudo, ça s'était assez bien passé. Et j'ai hâte de voir ce que va nous proposer ce château de Ganon. Ça m'a l'air très intéressant. Allons affronter le Agiant dans un premier temps. Et viens là toi. Ok. Voilà, on lui met quelques coups comme ça. Bon ça va, les Agiants on en a l'habitude. Ok. On lui a enlevé son armure. Et viens là toi. Allez hop. Allez, on va le terminer. Ok, et voilà. Bon, le Agiant, c'est fait. Est-ce qu'on est obligé de battre les Armos pour passer? Je crois que oui. Donc, attendez, est-ce que le grappin permet de les toucher ou pas? Je ne sais pas. Mais franchement, je suis trop content de cette Master Quest. Ça, c'est... Enfin, c'était une bonne découverte pour moi. Ah oui, parfait, regardez. Ah, ben, on l'a paralysé. Ok, on va essayer de le... Est-ce que ça marche, l'arc? Oh, yes, regardez. Oups. Voilà. Ben là, comme ça, on est tranquille. Ils restent sur leur pilier. Ils ne nous gênent pas. Nickel, on a réussi la première salle, bon voilà, c'était assez simple, mais ça annonce la couleur, purée, si ça commence avec un Agiant, je sens que ça va être assez compliqué. Et bah écoutez, c'est parti. En plus j'ai que 12 coeurs de vie, enfin bref, là ça y est, on voit la salle, waouh, ça va être chaud. Et si on commençait dans l'ordre, on va faire sens horaire, hein, on va commencer par la salle de la forêt, c'est parti. J'espère que je vais pas être gêné. Oh purée, ça commence bien. On va enchaîner les combats, j'ai l'impression. Ça va être du costaud. Oh purée, la vache, j'ai déjà perdu de vie. Allez, sinon on fait des attaques circulaires, hein, ça marche très bien. Ok, crève. Oh purée. Il m'a infligé 4 coeurs. Vas-y, viens là. Et en plus, j'ai pas de fée, hein. pour le plaisir. Et viens là, toi. Et j'ai vu qu'il y avait une clé à gagner là-haut. Hein. Ok, toi tu vas crever. Hein. Attaque-moi quand tu veux. Ok. Bon, le classique Stalfos, hein. C'est pas propre ce que je vous propose. Ok, c'est bon, j'ai réussi. Est-ce que c'est terminé ou pas? Est-ce que je vais gagner ma clé? Peut-être qu'avec le grappin ça suffit. Est-ce que ça marche le grappin pour une clé? Ah non. Ah mais non, mais je suis trop bête. Il y a un flambeau juste là, j'avais pas fait gaffe. On va pouvoir s'accrocher. Voilà, on va attendre que l'autre il ait fini là de souffler. Puis après ça ira très bien, hein. Allez, c'est quand elle veut l'hélice, hein, qu'elle s'arrête. Ça y est, elle s'est calmée. Ah, bah attendez, il faut qu'on se décale, je crois. Oh, c'est bon. J'ai réussi à récupérer la clé. Parfait. En fait, j'étais même pas obligé de battre les Stalfos, je crois. Je sais pas. Ah, mais si, parce que... Ok, c'était une grille. On aura besoin de la clé après, c'est ça? À quel moment on aura besoin de la clé? Et il y a des blocs champs du temps, il y a des sentinelles de partout, purée. Ça m'a l'air super dur. Et on voit qu'il y a une plateforme avec... Il va falloir... Poser quoi là sur ce bloc bleu? Et là-bas on voit qu'il y a une... Il y a un œil, hein, à viser, donc... Bah attendez, on a les flèches de feu, on va voir déjà ce que ça fait d'activer cet œil parce que... Waouh. Ah oui, du coup on a toutes les flèches, hein. Flèche de glace obtenue au gymnase Gerudo bien évidemment. Est-ce que ça marche? Ouais. On va voir ce que ça fait, hein. Ah ok, ça amène un coffre et on va pouvoir se tracter. Ok, parfait. Oh attendez, là il y en a encore... Il y en a un autre. Il y en a un autre je crois. Ouais. Il est bien planqué, hein. Ok, ça fait quoi? Un autre coffre. Ok, ben merci beaucoup. C'est quoi ça? Ok, des flèches. Bon, ben c'est gentil. C'est gentil, je check juste ce qu'il y a ici, hein, au cas où, mais... Non, ben là, je crois qu'il n'y a plus rien. On devrait pouvoir s'amuser là où il y a le bloc champ du temps et... Ben c'est peut-être lui qui a la caisse, d'ailleurs. Je sais pas, on va voir. Et toi, tu vas crever. Allez, crève. Oh, attendez, il va peut-être faire péter la sentinelle. Oh yes, il a fait péter la sentinelle. Parfait. On va pouvoir se tracter. Alors je crois pas qu'on ait besoin encore là des flèches de feu, je vais éviter de gaspiller toute ma magie. Donc on va repartir sur des flèches normales, ça ira très bien. Et... Ok d'accord, j'avais cru entendre des bruits bizarres mais... comment on va procéder? La botte des airs, je sais pas. En plus on a le courant d'air là, donc j'avoue que ça va être peut-être un peu compliqué. On va essayer de lancer des bombes. On va pas trop s'attarder sur tout ce qui est flèches et compagnie. Ah mais attendez, est-ce qu'il y avait un autre coffre qui était tombé quelque part mais je ne sais pas où? Bon, je crois que l'autre coffre était près du bouton, donc on va aller voir ça. Bien sûr, on prend les bombes et les bottes désert, voilà.
Je sais pas si de là je peux buter celle-là, je crois. Il me semble, hein. Ouais, voilà. Et du coup, je devrais avoir accès à toutes les autres sentinelles. Bah, remarquez, celle-là, on peut la choper, hein. Ah, presque, attendez. Est-ce que là, c'est mieux? Oh, yes, c'est parfait, regardez. Ça, c'est fait. Et les autres, on va les avoir sans souci. Alors, je sais qu'il y a un cœur. Est-ce que je le prends, le cœur? En vrai, il y a le courant d'air et tout, donc... je sais pas si c'est une bonne idée. Ouais, bah non, je l'ai pas eu. Du coup, j'ai pas eu le cœur, c'est pas grave. Là, normalement, je devrais pas avoir accès à la... Ah si, c'est bon. Si, si, j'ai accès, parfait. Nickel. Merci pour la bombe que je ne reçois pas. Oh, attendez. Parfait, heureusement qu'il y a une prise à grappin, on va pouvoir s'amuser. On va attendre que l'œil passe, bien sûr. Ok, c'est bon. Là, on est tranquille. Normalement... Oh, non. Oh, dommage. Oh, il y aura de nouveau toutes les sentinelles. Oh, je suis dégoûté. Allez, hop. D'ailleurs, je capte que j'ai pas du tout récupéré le coffre tout à l'heure, voilà. Donc, je suis en train de refaire la salle parce que je suis tombé. Ah, merci pour les bombes. Ben, merci beaucoup, c'est gentil. On va rebuter les sentinelles. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, on part de là, hein. Ce sera beaucoup plus simple. Et toi, tu vas crever. Franchement, les sentinelles, c'est un peu relou, hein. Est-ce qu'on a un cœur? Pas du tout de cœur, c'est pas grave. Je sais qu'on doit faire attention à la vie. Ok, nickel. Ça, c'est fait. Ouais, du coup, il y a ce bloc champ du temps à gérer. On va essayer de gérer ça tout de suite, c'est parti. Champ du temps. Je sens que ça va être compliqué, hein. Ce château de Ganon, déjà, ça change beaucoup de... De la version classique, hein, qu'il y avait. Ah, mais attendez, ça marche pas. Je suis peut-être pas assez proche, hein. On va se rapprocher. Et parce que là, ça n'a absolument rien fait. On va se mettre là, peut-être. Ok, est-ce que ce sera mieux? Je n'en sais rien, hein. Ouais, parce que là, il y a Navi qui vise le truc, donc normalement, ça devrait fonctionner quand même, non? Ah non, ça ne fait absolument rien. On va encore s'approcher, on va déjà aller voir la sentinelle, là, qui reste. Ce serait pas mal. Allez, let's go. Wow. Ok, 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 les bottes déserts, c'est piège, hein. On peut se faire avoir très facilement. Ok. Allez, dernière sentinelle, salut toi. Alors, ça dit quoi? Ah, mais attendez. Il y avait Navi qui visait un truc, mais je crois que c'était la tête de... Ah, peut-être que pour le bloc champ du temps, il faut se mettre ici, mais il faut faire attention, il faudra vite switcher avec les bottes de plomb. D'ailleurs, on n'a même pas besoin des bottes désert. On va juste directement équiper les bottes de plomb. Parce que, ouais, on va attendre que le courant il s'enlève. Et normalement, ça devrait aller. Link, il va sauter correctement. Attention, c'est parti. Oh, non! Je suis dégoûté. Oh la vache. Bon, bah j'ai mal visé, je suis désolé, hein. Allez, c'est parti. Ok, j'ai réussi. J'ai réussi avec les bottes désert, nickel. Et là on met vite les bottes de plomb. Ok, c'est bon, là je suis tranquille. Et là normalement je pense que le champ du temps devrait fonctionner. On est assez proche. Enfin, je suppose, hein. Bon, ça va, c'est quand même un peu plus technique. Un peu plus compliqué que... Que la quête normale. Et là, est-ce qu'il y a une caisse à disposition pour notre cher bouton? Parce que j'avoue que là, bah, je vois rien de spécial. On va essayer de refaire le champ du temps au cas où, s'il veut bien fonctionner. Oh, bah attendez, il y avait un Armos. J'avais pas vu, il y avait un Armos là-haut. Ok, on va essayer de le faire tomber, le monsieur. Oh, ah bah ça a marché. Oh bah écoutez, oui. Je dis oui, je vais juste attendre que le courant il s'enlève, hein, parce que sinon je vais clairement me faire éjecter. Et j'ai pas envie, il me reste que 3 coeurs. Normalement on devrait atteindre la salle du sage. Bah la salle de Saria, hein, tout simplement. Allez, c'est parti, on va voir. Est-ce que c'est ça ou pas? Ouais, c'est bon, nickel. Cool, ah oui, là il faut utiliser les flèches de lumière pour pouvoir briser. Ok, nickel, ça s'est très bien passé. Enfin très bien, on va dire que j'ai réussi plutôt. Parce qu'en vrai c'est pas hyper bien passé. Allez hop. Je me suis pris un game over à cause d'une chute quand même, hein. Allez Saria, encourage-nous s'il te plaît. La barrière de la forêt est dissipée, vite Link. Ok. Bon bah c'est cool. Oh mais attendez, on se fait pas téléporter quand même. Ah, j'aurais peut-être dû récupérer les pots avant. Oh zut. Oh zut. Ah ouais, j'aurais dû récupérer le contenu des pots. Ah bon, c'est pas grave, je referai pas l'erreur plus tard. J'ai que 3 coeurs pour les prochaines salles, c'est embêtant ça. Ça pourrait être problématique. Ah ouais, bah c'est parti, bah salle de l'eau alors, hein. On y va, j'espère que ça ira. Parce que là franchement, je suis pas en bonne posture, mais alors pas du tout, hein. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Oh purée, ça va être encore de la flamme bleue, est-ce qu'il y a des monstres à battre? Pour l'instant non. Ah si, il y a un poignon. Attendez, regardez. Il y avait un poignon. Yes. Toi tu crèves. Ok, c'est bon, on l'a eu. Le frisard là.
Ah, le poignant, je veux pas l'affronter, là. Il est passé où, le Freezard, là? Oh, il est là. Ok, c'est bon. J'ai réussi à le battre. Et il y en a un juste là. Allez, dégage. Oh, bah alors. À quoi tu joues, mec? Freezard. Attendez, il arrive. Allez, crève. Est-ce que je l'ai eu? Non. Ok, c'est bon, là, ça va le faire. Ok, un Freezard en moins. Là, je pense que je suis tranquille, hein. Enfin, j'espère. Le poignon, franchement, c'était pas obligatoire. Est-ce que j'ai encore de la flamme bleue? Non, absolument pas. Bah écoutez, on va récupérer de la flamme bleue pour pour le plaisir. Ah oui, mais faut enlever l'eau d'abord. Ah ouais, ok. Imaginez si j'avais déjà de la flamme bleue depuis la caverne polaire. J'aurais pu skipper cette salle, ça aurait été drôle, ça. Bah écoutez, on va essayer d'affronter ce poignant pour libérer la flamme bleue. Ah purée, eh, viens là, toi. C'est bon, il arrive? Il est où? Ah, mais il faut pas battre de poignons? Ah, ok, c'est juste une main. Ah, bah écoutez, on va battre la main alors. Enfin, si on y arrive, hein. Elle a l'air très résistante, cette main. Eh, tu vas te calmer, s'il te plaît? Oh là là. Attendez. Ah, c'est bon, j'ai réussi. Oh purée, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Vite, vite, vite. On va essayer de remplir un maximum de flacons, hein. On en profite. J'en ai plusieurs, donc vous savez quoi, on va mettre à Y et à X. Ah, je suis prêt là avec ma manette, attention. 3, 2, 1. Ok, c'est bon. Et 2, 1. Ok, c'est bon, j'ai rempli mes 3 flacons. Au moins, on est tranquille. Cool. Voilà, nickel. Déjà, je vous propose qu'on récupère un cœur. Voilà. Pour commencer, ce serait pas mal. Oh, attendez. Oula, j'ai failli me faire défoncer par. Ça aurait été dramatique. Ah oui, mais on n'y a accès qu'une seule fois en fait à la. Ah oui, parce qu'après, on peut plus battre le poignant. Ah ouais. Ah si, c'est bon, il y a la main qui a repop. Parfait, non mais c'est bon, tout va bien. Ah, j'ai eu peur, je me suis dit quand même, c'est chaud. Ok, bon bah du coup on va pouvoir récupérer un coffre, peut-être une clé, parce qu'on avait obtenu une petite clé à un moment, donc je sais pas à quel moment elle va nous servir, on verra bien. Ah bah merci pour les 20 rubis, c'était vachement utile. Et du coup on a ça aussi, alors je sais pas à quoi ça sert, mais peut-être à rien, hein, mais dans le doute. On va vérifier, on va peut-être sortir le monocle de vérité. Oh, vous savez quoi, on va s'approcher, hein. On le sortira s'il y a un coffre ou pas. Est-ce qu'il y a un coffre? Invisible? Bah on dirait que non, hein. Donc on va rebattre la main si possible. Oh purée, en plus je perds de la vie, hein. Oh yeah, c'est bon. C'est repassé. Allez hop, la flamme bleue à fond. Ok. Et là on refait YX à fond. Flamme bleue. Nickel. On recharge à balle, hein. Ok, ça y est, on est tranquille pour la suite, je pense. J'espère que dans la salle suivante, il n'y aura pas de flamme bleue, hein, parce que sinon, sinon c'est très relou. Voilà, c'est pas la peine de dégeler tous les glaçons, je pense. On va juste aller dans la salle suivante avec nos flammes bleues. Ah, bah c'est à ça que sert notre clé, ok. Bah très bien, bah écoutez, allons-y, hein. On verra si ça passe ou pas. Ça donne quoi? Oh purée. Oh purée. Alors, j'entends des chauves-souris de feu, yes. Quel plaisir, allez, c'est parti. Grappin et on va tout tabasser, hein. Quoique j'aurais pu sortir en vrai l'arc. Cette chauve-souris, ça va être facile. Enfin, ah oui, c'est bon. Oh, attendez, elle a droppé un cœur. On y va. Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, je vais parler à Navi parce que... Ah purée, c'est une chauve-souris invisible. Oh là 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 là, quelle catastrophe. Ah, crève. Mais merci pour... Oh, franchement, merci pour les cœurs, hein, parce que là, j'en avais plus beaucoup. Et là, comment on va faire pour ce... Ouais, il va falloir être précis, hein. Ça va être compliqué. Ah, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi, quel dommage. Ah ouais, en vrai, ouais, faut être chaud. Ah mais non, mais attendez, on a les bottes désert. Voilà, on s'équipe de tout ça. Voilà, bottes désert, 3, 2, 1, et let's go. Ben voilà, c'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple quand on s'équipe correctement. Allez, on va tâcher de battre les chauves-souris qui traînent, là. Il y en a une là. Ah, ça va être compliqué de viser avec le grappin, vous savez quoi, je vais sortir l'arc. Quoi? Non! Ah, je commence à perdre des vies bêtement. J'aime pas ça. On va faire attention. Alors, on va pas gaspiller les flèches de lumière, bien sûr. Voilà. Et là, on se barre. On se barre. On va essayer de résister à l'assaut des chauves-souris. Oh, purée. J'ai plus beaucoup de vie. Je peux crever à cause d'une chauve-souris. Hein. C'est ça qui est chaud en Master Quest, quand même. Ok, merci, merci, merci. Merci, le cœur. Oh, yes. Y a pas un autre cœur par hasard? Ah, je crois pas, malheureusement. Ok, oh, attendez. Y a un rubis là. On va le récupérer. Je pensais que c'était un trou dans lequel il fallait pas tomber, mais finalement, en fait, on a le droit. Donc, assez rigolo. Pour aller là-haut, est-ce qu'on peut...
Ah oui, c'est les blocs, c'est des blocs qu'on peut pousser. Ah, oh purée, ça va être compliqué ça. Attendez, déjà on va récupérer ce rubis là. Ah sérieux? Attendez, il faut les bottes des airs absolument. Je suis désolé pour le bip-bip, hein. Franchement c'est un peu relou. Peut-être que je baisserai le son à ce moment-là. Et là il va falloir pousser. Waouh. Non c'est bon, ça va être facile en fait. Ça va être très facile. Bah, j'y vais du coup, c'est parti. On va déjà récupérer ce rubis qui traîne. Ok, et on y va. On va pousser les caisses, c'est là. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, on fait comme ça. Elle, on la met dans le trou. Parce que, voilà. Voilà, et là, on va être tranquille pour la suite. Voilà, si on part de... Si on la pousse ici, ça va le faire. Voilà. Eh ben, nickel. Nickel, là, normalement, on a plus ou moins fini la salle. En plus, j'ai encore de la flamme bleue, donc c'est parfait. On va atteindre la salle de Ruto sans souci. Cool. Et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir récupérer de la vie avec les pots qui traînent là-bas, ça c'est cool. Ah c'est bon, Link, il peut monter, j'avais peur qu'il puisse pas monter ici, mais non c'est bon. Je vais enlever les bottes des airs, hein, parce qu'en vrai c'est relou. Cool. Et normalement c'est le dernier rubis, hein, j'en ai pas oublié, j'espère, hein, parce que sinon... Pouf, sinon c'est relou, allez pitié. Ouais c'est bon. Ça s'est bien passé, bon ça va. Cette salle n'est pas très compliquée. J'ai cru que j'allais perdre de... Ah. Ah oui, j'avais pas pensé à ce détail. Ah ouais, purée, je suis obligé de recommencer à cause de ça. Eh oui, j'aurais dû d'abord pousser le bloc là et... Oh là 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 là, l'erreur du débutant. Oh, il y a de nouveau les chauves-souris, quelle horreur. Attention à vous les chauves-souris, hein. Moi j'arrive avec mon arc, hein. Voilà, c'est fait ça. Elle drop pas un cœur par hasard, hein. Oh si, oh si. Un cœur, let's go. Voilà, c'est fait. Plus de chauves-souris. Merci pour le cœur. Let's go, on n'a plus le bruit. Nickel, et là on va pouvoir avancer. La grille est bien sûr déverrouillée, heureusement. Et bah là c'est bon. Là c'est bon, il nous reste une flamme bleue, ça tombe bien. Cool, j'espère qu'on en aura plus besoin hein, dans les autres niveaux. Bon, c'est des niveaux assez compliqués, mais en vrai ça va. Enfin, c'était surtout celui de la forêt qui était relou. Mais franchement, c'est pas si dur que ça. Hein. C'est pas si dur que ça, on s'en sort. Ah oui, on gagne qu'un seul cœur. Ah oui, on gagne pas grand chose dans les pots, hein. Franchement, je m'attendais à un peu mieux, mais bon. Bah écoutez, c'est comme ça, on va équiper bien sûr flèche de lumière et on y va. Voilà. Ruto, hein, si tu veux nous aider, il n'y a pas de problème. Oh mon dieu, il y a Ruto. La barrière de l'eau est dissipée, dépêche-toi. Ok. Merci Ruto de ta coopération, on va se faire TP. On a désactivé une nouvelle partie de la barrière. On est à 2 sur 6, hein, je crois. Je crois qu'on a aussi le sage de la lumière, hein, donc il me semble qu'il compte, donc bon. Mais écoutez, on va aller dans cette salle, la salle de l'ombre. Let's go. J'ai hâte de voir ça. Oh purée, oh purée. J'ai parlé trop vite. J'ai parlé trop vite. Je sais pas si là on a encore accès au... Je crois que c'était dans cette salle-là qu'on avait accès aux gants. Aux gantelets d'or. J'espère que... Oh purée. Voilà, crève hein, avec l'arc, ça va beaucoup plus vite. On va sortir... Oh, il y a une guillotine là-bas. On va sortir le monocle de vérité. Pourquoi il y a une bombe? Ah d'accord! Ah oui! Ah bon, bah... Ok. Bah merci du coup. C'est gentil. C'est gentil, on va voir ce qu'on obtient. Bon, pour l'instant, les salles dans l'ordre, hein, ça marche, hein, on n'a pas de problème particulier. Ok, merci pour les flèches. C'est extrêmement gentil. C'est très gentil, et maintenant pour... ouais, je vais sortir un monocle de vérité, parce qu'en vrai, là, c'est un peu chaud. Est-ce qu'il y a des plateformes? Bien sûr, regardez. Oh, il y en a une juste là. Oh, ça passe pile, attendez, parce qu'on a des rubis à récupérer. Faut qu'on se mette là, plutôt. Voilà, il part en diagonale, le machin. Et là, il va falloir sortir les bottes désert, en vrai, parce que sinon, on va pas s'en sortir, hein, malheureusement, donc... Bottes désert, et on y va. Attention, on se prépare. Ok, c'est passé, c'est passé, c'est passé. Ok, nickel. C'est passé, on a deux rubis, du coup. On va attendre qu'ils reviennent, hein, le machin, parce que j'ai pas envie de me faire avoir. Attention. Ok, on le voit, on le voit, on le voit. Let's go. Let's go, on a plus que la sentinelle à gérer, ça va pas être un problème. Et je vois qu'il y a quelque chose là-bas, je sais pas trop ce que c'est. Ah, c'est un flambeau. C'est un flambeau, ok. Allez, sortons bien sûr les bombes, et on y va. Donc toi, tu vas crever. Laisse-nous accès aux rubis, là. Hein? Bon, la salle de l'ombre, pour l'instant, ça va. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On met du feu, hein. On va sortir...
Bah l'arc en fait. Ah oui mince, pardon. J'ai pas sorti les flèches de feu, c'est embêtant. Voilà, ce sera quand même mieux comme ça. Quoi? Ah oui, je suis en train d'utiliser le monocle. Autant pour moi. Ah oui, on voit le chemin. Ok, très bien. Très bien, très bien. Ça c'est fait. Est-ce que ça débloque un truc intéressant? Je ne sais pas. Ah bah oui, ça, ça a débloqué le... Ok, le bloc qui est juste devant nous. Très bien. Bah écoutez, allons-y. On va juste se placer dessus pour l'instant. Doucement, hein, parce que là, il y a les sentinelles. On fait attention. Ah bah ça a explosé les deux. Oh bah nickel. 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 Et là, je sens qu'il y a un coffre qui va pop. Donc, peut-être en battant toutes les sentinelles. Ça, c'est possible. Ok, donc là, on met monocle de vérité, bien sûr. Et on y va. Bon, j'ai encore mes bottes désert, hein, mais c'est pas un souci. Enfin, normalement. Ok, c'est bon, elle m'a pas vu. On y va. Et là, je pense qu'on va faire apparaître le coffre, j'espère. Je crois que je viens de perdre un cœur. C'est terrible. Et là, il va falloir échapper à la guillotine. Oh, attendez. Oh, attendez, regardez ce que j'ai vu. Regardez ce que j'ai vu. Une dinguerie. On a l'œil qui est caché, là. Ok, parfait. Bah, c'est peut-être ça qui va nous donner accès au coffre. Oh, mince. Oh, purée, pourquoi j'ai posé la bombe? Oh, le débile. Oh, le débile. J'ai pas l'habitude que l'arc soit équipé à Y. Oh, purée, j'ai le monocle de vérité depuis tout à l'heure. Attention quand même. Bon, je sais, j'utilise flèche de feu. Hein. J'ai clairement la flemme de changer de... Oh, oui. Oh nice. Parfait, parfait. J'avais la flemme de changer de flèche. Hein. Voilà, on met le grappin. Normalement, on n'a plus besoin des flèches. Et... Bah, c'est où? Ah, il est là. Il est là. Autant pour moi. Non, du coup, ce sera pas les gantelets. Hein, vu la taille du coffre, c'est assez ridicule. Ah, et on a une petite clé. C'est parfait. On va pouvoir avancer dans les prochaines salles sans souci. Allez, dernière étape. Le dernier rubis. Attention à la guillotine, bien évidemment. Bon, ça va, la salle de l'ombre, hein, pour l'instant, c'est pas trop un problème. Ok, j'ai réussi. Oh purée, alors là, il m'a enlevé le monocle au mauvais moment, hein, mais bon. Heureusement que ça va, j'ai réussi à gérer. Cool, ça s'est bien passé, la première salle, je suis trop content. On enlève les bottes désert, j'espère que ça va pas nous servir dans la salle suivante, parce que... Fou. Ah, mais on a fini. C'était quoi la première... Ah, c'était que ça, en fait. C'était une grande salle, en fait, d'accord. Bon, bah écoutez, tant mieux pour nous. Merci pour la magie. Et merci pour les flèches, on arrive avec flèche de lumière et on tabasse tout. Mais attendez, c'est vraiment fini? Il n'y a pas une salle où c'est un piège et genre derrière il y a encore un truc? Je me souviens plus hein. On verra bien, on verra bien, je sors bien sûr flèche de lumière et on y va. On va libérer Madame Impa, hein, bien sûr. Ouais ouais c'est bon directement, bon bah écoutez on a terminé apparemment. La barrière de l'ombre est dissipée, va et sauve la princesse. Eh bien c'est ce qu'on va faire. Voilà, une troisième... Un troisième bout. Deux barrières dissipées, let's go. On arrive dans la salle du feu. Alors la salle du feu, j'ai peur qu'on ait les blocs à soulever. Bah d'ailleurs là aussi d'ailleurs, ouais. Là il nous faudra un bloc, donc peut-être que ça s'obtient dans la salle de l'esprit finalement. Bah attendez, on va voir la salle du feu déjà ce que ça donne. Mais est-ce qu'il y aura encore des piliers? Ah bah oui, il y a des piliers de partout, donc là... là c'est mort hein, clairement. On va aller dans la salle de l'esprit dans un premier temps pour débloquer les gantelets. Et puis ouais non, parce que là sinon on ne va pas pouvoir avancer malheureusement. Gantelets d'or, est-ce que vous êtes chaud ou pas? J'espère que vous êtes chaud. Moi, en tout cas, je suis chaud patate pour les obtenir. J'ai très envie. Alors, ça donne quoi ici? Oh, il y aura un Darknut. Enfin, à Juyante, je veux dire. Peut-être. Je sens que ça va être compliqué, cette histoire. Ok. On se fait pas voir par les chauves-souris, hein. Viens là, toi. Ok, parfait, merci. Merci pour le cœur, c'est très gentil. Ok, où est le... Ah, je suis en deux. Mais attendez, ne me dites pas qu'il est invisible. Non, c'est bon, j'ai eu peur. Pourquoi il y a un... Alors, attendez. Qu'est-ce qui se... on va éviter d'utiliser les flèches de lumière, par contre. Est-ce qu'on peut inverser l'œil, là? Ah ouais. Ça fait quoi? Ah, yes, le... le H-Viande a pop, comme ça. Allez, vas-y, viens, là. Et attendez, parce que... Je sens qu'il y aura un truc important, donc viens là, mec. Je sens qu'il va falloir qu'il nous débloque quelque chose ici, donc bah approche hein. Vas-y, casse tout. Oh yes, un max de cœur. Ok. Oh, tous les cœurs, ça fait plaisir. Ah bah je suis full cœur. Excellent. Ok. Vas-y, viens là. On va pouvoir débloquer le bouton. Voilà, c'est bon, on l'a battu sans problème. Masse des titans, on l'équipe, bien évidemment, hein, pour le plaisir. Et on va débloquer la salle. Hein. C'est parti. Cool. Bah première salle très fun là avec le H-Viande, j'ai bien aimé. Le H-Viande qui pop. Ok, et là on a plus rien. Je pense qu'il y a plus rien, on y va. J'espère qu'on va débloquer les gantelets dans cette salle. Oh purée, bonjour toi.
quel est le piège? Parce que là, c'est... Ah oui, d'accord, faut aller là. Ok, missile teigneux, bien sûr. Alors, attendez, parce que... Ouais, vu où est placé le truc, il va falloir... Attendez, il va falloir bien viser. Je pense que de là, ça va le faire, les missiles teigneux. C'est parti. On se met dans le bon sens et on y va. Voilà, parfait, nickel. Ah bah oui, on a réussi. Parfait, on a débloqué du coup. Enfin, on a déverrouillé le truc. On va gagner des missiles teigneux, donc bon. Enfin, je pense, hein. Oui, voilà. Classicos. Et là, c'est parti. Attention à lui, là, parce que il va me saouler. Et voilà, j'en étais sûr, j'allais me faire toucher. Voilà, crève. Ça, c'est fait. Ok, on va arriver dans une salle du soleil et tout. Bah, en même temps, temple de l'esprit, hein, normal. Le Gibdo. On a feu de Dean, clairement. On va pas se gêner, parce que sinon... Enfin... Je sens qu'on va galérer. De là, ça devrait être good. Et je crois qu'il y a encore un autre Gibdo derrière. Ah, c'est un effroi classique, mais c'est pas grave, on va le battre de la même manière, parce que... Ouf, je sens que ça va être compliqué, sinon. Voilà, donc lui, c'est fait. Il me file, bien sûr. Oh, purée, on aura 10 000 trucs à tester, et en plus... Bon, attendez. J'espère que le feu de Dean va cramer la toile d'araignée qu'il y a sur le plafond. Ok. Et un dernier coup et c'est bon. Ils vont me donner tous les deux de la magie normalement, donc ça devrait aller. Voilà. Ok, et là, bah, oh, tous les soleils qu'on doit tester, je sens qu'on va se faire démonter. Bah c'est parti du coup, hein, on va... on va équiper flèche de feu. Attendez, j'ai oublié de mettre le feu du coup. Voilà. C'est vraiment pas pratique ce menu là pour les flèches, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Et on va voir ce que ça fait, bouclier miroir, let's go. Ah purée, c'est le mauvais. On va se faire choper, il y a une main, je sais pas. C'est quoi le piège? Il y a pas de piège? C'est juste le mauvais, ok. Bah écoutez. Ah, ok. Oh, c'est un grand coffre. C'est un grand coffre. Les gantelets, les gantelets. Attendez. Oh yeah, je suis trop content. Bah oui, parce que là, il y aura pas de carte, il y aura pas de boussole. C'est forcément les gantelets d'argent. Enfin, d'or, pardon. Allez. Let's go, let's go, let's go. Là, on est chaud. Oh, regardez ce Link. Il est en or. Waouh, c'est magnifique. Attendez, on n'a pas encore terminé, hein. On va finir cette salle quand même. Ah, là, il y a une main, bien sûr, le classicos. Mais du coup, je sais pas ce que j'ai eu comme piège. Oh, purée, mais du coup, j'ai... Oh, purée, purée, purée. Mais du coup, je l'ai pas battu. Oh, purée, je suis en train de tout... Oh, purée, la galère. Non, mais c'est bon, là, il n'y a pas de problème. Ok. Bah, on n'a plus beaucoup de soleil à tester, hein. Oh, yes, une clé. On a deux clés, c'est excellent, ça. Excellent, il fallait absolument viser tous les soleils, hein, c'était très important. Voilà, c'est pas du froid quand même. Non, c'est bon. Oh cool, merci pour le cœur, mais je crois que j'en avais pas besoin. C'est pas grave, ça fait toujours plaisir. Et un dernier coffre. Mais attendez, mais du coup on n'a pas... Il en manque un ou on n'a pas déverrouillé la porte? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé là? Oh purée, il est où le dernier soleil? Il est où le dernier soleil? Je sens que ça va être compliqué ça. Alors, je change d'orientation... Oh, attendez, il est là, regardez. Oh, il est planqué. Cochon malade, regardez, il est au-dessus de... Oi, oi, oi. Non, mais sérieux, quoi. Sérieux. Bon, au moins, on a obtenu tous les coffres, et ça, c'est cool. On va pouvoir valider une salle de plus. Vu que j'ai les gantelets d'or, j'en profitais pour améliorer ma défense. Quoique, on peut jouer en mode YOLO aussi, hein. Sans la défense améliorée, en vrai, on en a pas besoin, vous savez quoi. On va être brave. On n'a pas besoin d'améliorer notre défense auprès de la grande fée qui se situe juste à côté... du château de Ganon, donc c'est bon. Allez, on va y aller comme ça, je pense que ça va le faire. Allez, let's go, on y croit. Donc là, c'était la salle de quoi déjà? Ah oui, de l'esprit, il y aura Naboru. Naboru, bonjour. On s'est vu il y a pas longtemps, hein, mais bon. La barrière de l'esprit est dissipée. Vite, gamin. Ok, on va faire vite. Allez, hop. Plus que deux barrières à enlever, donc ça c'est cool. Ça c'est cool, on a la salle du feu et la salle de la lumière. On est équipé des gantelets d'or, donc il n'y a aucun problème. On va y aller, on va commencer par la salle de la lumière, on finira par la salle du feu. Regardez cette animation. Oh là, quel beau gosse, il est tellement fort. Il est beaucoup trop puissant. Wow, il a éclaté le bloc. Et c'est là, il y a un morceau qui tombe sur Link, et c'est game over. Voilà, fin du game, Ganondorf règne sur Hyrule. Allez, on arrête les bêtises, on va avancer. Dinolphos, ok. Il y a l'Imagma aussi. Allez, l'Imagma, là, crève. On va essayer de buter l'Imagma dans un premier temps. Voilà, au moins c'est fait. Ok, vas-y, crève, toi. Ok. Vas-y, esquive si tu veux, hein. Tu crois que tu peux tout esquiver? Ok, c'est bon, il est mort. Bon, je pense pas qu'il y avait que ça, hein. Est-ce qu'il y aura un piège après?
C'est tout? Peut-être que oui, en fait. Hein. Peut-être que c'est tout, bah écoutez, tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous, on y va. Mais sérieux? Cette salle me paraît incroyablement simple comparée aux autres, c'est pour ça que... Alors, heureusement que j'ai une clé. On va pouvoir avancer. Ah oui, il y a aussi berceuse de... Pourquoi il y a berceuse de Zelda? Alors, attendez. Peut-être qu'on va gagner un coffre. C'est ça. Peut-être qu'on va pouvoir gagner un coffre, j'espère en tout cas. Peut-être avec une petite clé. J'espère qu'il n'y aura pas trop de petites clés à utiliser hein, dans cet endroit. Alors, ça fait quoi du coup? Un petit coffre? Ouais, c'est ça. C'est un coffre, mais peut-être inutile. Hein. Est-ce que c'est un prank? Ah, ok, c'est un cœur. C'est seulement un cœur. Bah, au moins, j'ai la clé. Ah, c'est peut-être pour donner espoir à ceux qui n'ont pas la clé. Ils se disent, let's go, on va obtenir la clé. Pas du tout. Pas du tout. Oh, oh purée, la blague. Sérieux? Alors là, ça c'est rigolo, ça. Quoi? Mais attendez, mais what? Comment on va faire? Comment va-t-on procéder? Est-ce que les flèches de lumière, ça marche sur les... Oh, ah ouais, d'accord, c'est carrément invincible. Alors, attendez, on a des missiles ténueux, cela dit. Peut-être que ça va le faire. Ah ouais, non, mais là, ça va être chaud, en vrai. Comment on va faire pour buter? Est-ce que les bombes ont une assez grande portée? En vrai, je pense que oui. Je pense que je sous-estime les bombes, là. Hein. Ah non? Il va falloir viser au bon moment, je pense. Allez, on y croit ou pas? Oh yes, c'est bon, c'est passé. Ah ok, il faut accéder avec le grappin. Ok, très bien. Bon, bah franchement, c'est assez rigolo, mais si c'est que ça, en vrai, ça va. Et il nous fallait bien sûr une autre clé pour avancer. Là, on a un cœur, ok. Et là, on a un cœur. Bah attendez, il nous manque deux cœurs, ça tombe bien. On va les récupérer, hein. Parce que on n'a jamais trop de cœurs dans la Master Quest. Ok, on se met bien là. Voilà, nickel. Et là, on va pouvoir déverrouiller la porte sans souci. On y va. Cool. Bon bah ça va, salle de la lumière qui se passe plutôt bien. Et là on a fini. Ah non, c'est là où il y a le prank. Ah, c'est cette salle là qui fait le prank, ok. Donc là c'est pas terminé. On va voir un peu ce qui se passe. Est-ce que c'est avec le monocle de vérité qu'on débloque la fin? Ou alors on doit juste avancer. Est-ce qu'il y aura pas une sculpture là-haut parce que... Ah non, ok. Ouais, alors, quel est le problème ici? Attendez, on va sortir le monocle de vérité au cas où, hein, parce que... Je ne sais pas trop. Ah oui, ok, d'accord. Effectivement, on a un truc à déverrouiller ici. Alors, peut-être qu'en me mettant en face, il y aura un bouton ou quelque chose. Est-ce qu'on a accès à quelque chose qui est caché? Pour moi, ça sent le petit bout d'interrupteur, vous savez, caché je ne sais où. Genre, il y a un micro-bout qui dépasse, ça se trouve, c'est là-dedans, hein. Non. Il va falloir le... Ah, mais... Ah non, j'ai cru qu'il était dans la porte, mais non, pas du tout. Hein. Non, non. Attendez, parce que je crois que j'ai vu. C'est un interrupteur, ça? Oh yes! Incroyable! Cool, et là, du coup, on a accès à la salle, c'est ça? Normalement? Oh yes! Cool! Est-ce que là, c'est fini, là? C'est fini! Ah, cool, bah c'était bien caché, franchement, bien joué. Bien joué, les développeurs, mais quand on commence à être habitué, après, on les cherche, les interrupteurs cachés, donc... Voilà, mais franchement, il était bien planqué, hein. Incroyable. Incroyable, c'est parti, un petit coup de flèche de lumière et il nous restera plus que la salle du feu. Donc franchement, ça se passe plutôt bien. Au début, j'ai un peu galéré, mais là, ça va. Bonjour, Raoru. La barrière de la lumière est dissipée, vite. Ok, je fais vite. Ça, c'est géré, plus que la barrière du feu. Let's go, on y va. J'ai hâte de... Ah, bah c'est pas là, par contre. C'est là-bas. Hâte de voir ce que ça donne, là, avec les gantelets d'or. Ça... En vrai, ça va. À mon avis, ça va le faire sans trop de soucis, donc... écoutez, on verra bien. C'est parti. Ah oui, purée, il faut qu'on se mette en tenue... En tenue Goron, parce que sinon ça va pas le faire. Hein. Enfin, tenue Goron, ouais. Tenue rouge, quoi, hein, parce que... Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une tenue Goron? Je sais pas. Et il y a des bruits qui ne... Ah, c'est les lits magma qui est là-bas. Ok. Ok, ok. Là, il va falloir être chaud de night. Ok. Ah oui, ok, on meurt dans la lave. On peut pas marcher dedans comme dans... Ok. Bon, bah écoutez, je vais équiper les bottes désert. Ce sera beaucoup mieux, je pense, pour cette salle. Et on y va. Ok, ça c'est fait. Faut vraiment enchaîner là, hein, parce que sinon on est mal. Ok, parfait, et 2-1. Donc là, les lits magma, vous allez crever. Hein. J'ai pas l'épée Bigoron, mais on s'en fout. Ça marche quand même à la Master Sword. Hein. Voilà, let's go. Là, on est chaud. Maintenant, il va falloir être très prudent pour obtenir ce rubis. Oh, j'ai cru que ça allait pas passer. Oh, j'ai cru que ça allait pas passer. Ça aurait été dramatique. Allez, on saisit tout ça et on va voir ce qui se cache en dessous. Ah non, on va surtout créer un pont en fait. Ok. Vas-y Link, montre-nous tes biceps, énorme et sec. Oh là 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 là, quel beau gosse, regardez ça. Incroyable. Bon, on a récupéré qu'un seul rubis, là il va falloir se bouger pour récupérer les autres.
J'espère qu'ils sont pas trop planqués, là on en voit deux déjà. Là-bas il devrait y en avoir un. Et on va y accéder via la plateforme là-bas, ok. Eh bien écoutez, allons-y alors, on va pas se tromper de... Hein, on va se mettre là plutôt, ça ira beaucoup mieux. Voilà, parfait, ça c'est fait. Donc là, on a un rubis facile. Voilà. Là-bas aussi, il y en a un facile, normalement. Enfin, je pense, hein. Et voilà, et c'est l'erreur. On recommence tout, yes, j'adore, hein. La salle du feu, elle peut être assez horrible à cause du fait de devoir tout recommencer à chaque fois. Allez, ça va le faire, là. Ça va le faire. Même si à l'autre là, avec la sentinelle là, tu vas te calmer de suite s'il te plaît. Attendez, on va sortir une petite bombe pour calmer le beau monde là. Oh, quoi déjà? Sérieux? Vas-y, crève. Oh, j'ai pas eu. Oh non, je suis pas mort quand même. Ouh, j'ai cru que j'allais mourir. Il me reste un cœur. Est-ce qu'avec un cœur on peut réussir la salle? Ce serait incroyable. Allez. J'aurais clairement dû prendre cette tenue, hein. Attendez, mais je crois que j'ai vu un bleu. Oh, sérieux? Alors, on n'a pas rétrospective pour envoyer le le bloc et atteindre le rubis, donc je sais pas comment on va faire. Il est super haut, sérieux? Alors, attendez, parce que je pense qu'il y a un... Je pense qu'il y a un truc caché, là, parce que sinon... Quoi? Mais sérieux, quoi? Ah, il y a un bloc qui va nous démarrer en hauteur. Ah oui, c'est ça. C'est sûr que c'est ça. Ah ouais, non, parce que sinon, je vois absolument pas comment on peut faire. Oh, wow. C'est des petits malins. Ok, je rééquipe les bottes désert parce que, bon... Quand même, quoi. Et on va voir ce que ça donne là-bas. J'espère que ça va être good. Est-ce qu'il monte? Il monte, celui-là. Ah, il monte. Alléluia. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu très peur. Allez, et là, on enchaîne. On enchaîne, bien sûr. Et là, les lits magma, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Ne me faites pas mourir, hein. Ouh, j'ai eu chaud. Maintenant, il faut juste pas tomber dans la lave et ça ira très bien. Mais ça peut être très compliqué. Allez. C'est bon. Là, c'est bon, c'est passé. Je suis un peu concentré quand même, hein, parce que j'ai pas envie d'avoir un game over encore. Allez, vas-y, biceps partie 2. Let's go. Oh là là, incroyable. Ouais, et là pour celui-là, je ne sais absolument pas comment... Enfin, je sais pas comment je vais récupérer ce rubis en fait. Je sais pas du tout. Donc là, on refait bien sûr correctement sur le côté, hein, sinon on va tomber. Voilà Link, c'est très très bien. Tu es très appliqué garçon. Et là, ben... Alors attendez, j'ai envie de tenter un truc. Je pense qu'il y a un des blocs qui va nous propulser. Il faut que je calcule bien mon coup. Ok, c'est bon. Ah, il y en a un qui nous propulse, ok. Oh, non! Oh non! Bon, ben au moins, on sait par où il faut passer. Je reviens plus fort et plus déterminé. Bon, allez. J'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. J'espère que ça va le faire parce que là, franchement, ça me saoule de recommencer cette salle. Allez, hop. On se prépare. Oh, j'ai réussi. J'ai cru que j'allais pas y arriver, mais si, c'est bon. Ah cool, il y a une prise à grappin, je me demandais comment on allait faire. Ça y est, la salle du feu s'est réussie, je crois qu'on a terminé là. J'espère hein, qu'il n'y a pas d'autre salle, mais elle est tellement grande que je pense que c'est fini. Hein. Oh yes, c'est bon, on a réussi. Ah cool, ah ça fait du bien, franchement ça fait du bien parce que là, là c'était la galère. C'était vraiment chaud, une des salles les plus difficiles, enfin en vrai ça va, c'est... Quand on connaît le chemin ça va, mais c'était pas évident on va dire quand même de base. Allez c'est parti. Waouh, on a terminé du coup de briser les barrières. Il reste plus qu'à enchaîner les combats jusqu'à atteindre Ganondorf. Bonjour Darunia, ça faisait longtemps, ça va? Barrière du feu est dissipée, vite frère. Eh ben très bien. Allez, c'est bon. On a brisé toutes les barrières, on va pouvoir pénétrer à l'intérieur de la tour, regardez ça. Comme c'est magnifique. Ah oui, j'avais oublié que c'était aussi ouf. Cool. Bon bah écoutez, au cas où mon jeu crache, une petite sauvegarde s'impose. Et vous inquiétez pas parce que j'ai des sauvegardes de secours au cas où hein, l'enregistrement se passe mal, donc y a pas de souci. C'est sauvegardé, on peut y aller, je vais enlever ces bottes désert parce que ça va me gonfler. Et puis c'est parti, il faut qu'on rejoigne du coup là-haut. Comment on fait pour... Ah mais non, faut qu'on atteigne l'autre... Ah mais attendez, what? Ah oui, c'est ça, il y a deux ponts et après on va pouvoir sortir et arriver dans cette salle-là. Oh, ok, donc dans un premier temps, il faut bien sûr aller là. Au niveau de l'entrée de la tour de Ganon, let's go, enfin du château. Waouh. Allez, je suis prêt. On va affronter les monstres. Y
Y a des chauves-souris de feu et tout là. Ok, c'est bon. Moins une. Enfin, attention aux chauves-souris. Hein. On peut se choper des game over à cause des chauves-souris. C'est ça qui est terrible. Ok. Ok, c'est bon. Je stresse à cause des chauves-souris, vous vous rendez compte? Tout ça parce qu'on a un Master Quest et qu'on perd beaucoup plus de vie. Mais là, c'est bon, je commence à en récupérer pas mal. Oh yes, les deux d'un coup. Il y en a beaucoup des chauves-souris ici, non? Vous trouvez pas? Vous ne trouvez pas? Alors là, je sais pas pourquoi il y a deux flambeaux. Est-ce que ça indique un quelconque objet? Mais je pense pas parce que là, je suppose qu'on a tous les objets. Enfin. Oui. Bah écoutez, allons-y. On va avancer victorieux vers la suite. Bonjour aux chauves-souris. Est-ce qu'on gagne quelque chose? Non, éliminer les chauves-souris ne fait rien. On va remettre notre tenue verte classique, hein, bien sûr. Et voilà, et le bouclier, il y a un pour plus de classe. Voilà, parce que j'aime beaucoup cet équipement. Bref, allez, on y va. Premier combat. C'est quoi? Ok, des dinolfos classiques. C'est facile à battre, hein, y a pas de souci. On enchaîne les attaques circulaires et puis ça va le faire. Hein. Ok, vas-y, crève-toi. Vas-y, lui, il va crever. Il va me sauter dessus et je vais le défoncer. Voilà, parfait. Moins un. Vas-y, approche-toi. Approche. Ok. Voilà, c'est bon. T'es très faible. Voilà, nickel. Et merci pour les cœurs. Maintenant, on est full life. Let's go. On va pouvoir progresser. Nice, bah, je suis content. Première salle facile. Les Dinolfos, on s'en est débarrassé. Deuxième étape. Ok, nouvel escalier. Est-ce qu'il y a des chauves-souris? Je crois pas. Hein. J'espère pas. Waouh, je suis trop content d'y être. Et on va enchaîner directement avec Ganondorf après. Hein. Vous inquiétez pas, ça va bombarder. Let's go. Oh purée, les Stalfos, bien sûr, le Classicos. Le Classicos, mais on a l'habitude là. On est entraîné. On est entraîné. Ok. Ok, let's go. Moins un. On l'a défoncé. Approche si tu l'oses. Approche si tu l'oses. Je me suis entraîné face à tes frères Stalfos. Tu ne me fais pas peur, garçon. Oh purée. Oh purée, il m'a eu quand même. Mais c'est bon, je lui ai mis une grosse patate. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on va pouvoir récupérer la clé d'or? Bien évidemment. C'est pas un piège, j'espère. Bon, vu le bruit, ça m'étonnerait que ce soit un piège. On va récupérer la clé d'or. Est-ce qu'on aura une salle remplie de hache-viande? Je pense. Enfin, le contraire m'étonnerait, honnêtement. Donc, on va bien voir. Continuons, du coup, l'ascension. Mais là, je pense qu'on a fait le plus dur. Hein. Les combats qui nous attendent ne devraient pas être trop compliqués. Donc, là, je pense que c'est l'avant-dernière salle avant... Enfin, la dernière salle avant Ganondorf, plutôt. Donc, l'avant-dernière salle, oui. Ah, que deux? Y'a un prank? Y'en a un qui va tomber ou... Ah non, ok. Bah, écoutez, on va les battre un par un. Hein. Voilà, au moins ce sera beaucoup plus simple. On va le laisser s'approcher doucement. Allez, pour le fun, est-ce qu'on les bat les deux en même temps? Allez, on se fait un peu de fun là quand même. Voilà. Comme ça, ils sont actifs tous les deux. Ok. Viens là, toi. Ok. Ok. Allez, venez là. Ok, ok. Ça va être un peu plus costaud. Ok. Attendez, je me décale un petit peu. Ok, il y en a un, j'ai enlevé son armure. Ok, moins un. Oh, ok, c'est bon, bah, je l'ai eu. Il était facile à battre. On enchaîne comme ça. Au pire, on a des cœurs. Si jamais. On va les récupérer parce que si on se fait toucher, au moins ça évitera qu'on se fasse quasi one shot. Hein. Et voilà, c'est bon, on l'a eu. Franchement, les Hajuand, ils sont assez faciles à gérer. Hein. Suffit de prendre son temps et puis voilà. Mais écoutez, on a peut-être terminé en vrai. Hein. On a peut-être terminé. On va voir s'il y a une autre salle qui nous attend, mais... Ah, quoique, peut-être que si. Attendez. Ça dépend si c'est la salle de restauration ou pas. Ah oui. Bah écoutez. Écoutez, on peut y aller. On peut y aller, trop cool. Ah, je suis trop content. Bah écoutez, on a réussi. La Master Quest. Là, pour le plaisir, je vais quand même proposer le combat final parce que... Bah quand même, ce serait un peu bizarre de s'arrêter comme ça, mais... Mais je suis hyper content. De finir la Master Quest, purée. Waouh, incroyable. Voilà, on en profite, hein, on prend un maximum de choses. Là, on a les flèches de lumière, on a tout ce qu'il faut pour affronter Monsieur Ganondorf. Est-ce que pour le plaisir, on l'affronte avec le flacon? Ça pourrait être une idée, ça pourrait être une idée. Après, ouais, allez, vous savez quoi, on va prendre le flacon pour le combat. Ça pourrait être fun. Nous, on n'utilise pas la Master Sword. Hein, C'est trop has-been, la Master Sword, comme ce mot d'ailleurs. Bref, allez, on va aller affronter ce monsieur. Franchement, c'est... Enfin... Là, cette cage d'escalier est juste magnifique, enfin avec les vitraux et tout, c'est incroyable. Bah allez, j'espère que vous êtes prêts. On est devant la salle du Big Boss. On y va, on va terminer la Master Quest, let's go. Alors, qu'est-ce qu'il fait Ganondorf? Waouh, franchement la salle, on nous en met plein la vue, et il y a Zelda. Et le mec il a que ça à faire,
Il joue de l'orgue tranquillement. Pauvre Zelda. Allez, on va aller la secourir. Oh, ça y est. Est-ce qu'il y a la Triforce du Courage qui réagit? Bien sûr. Ah, c'est marrant parce que du coup, la Triforce du Courage, bah, c'est inversé. Du coup, elle est à gauche. Oh mon dieu, c'est elle qui a la Triforce du Courage en fait, c'est Zelda. Nous, on a la Triforce de la Sagesse. Waouh. Donc finalement, on est face. Enfin, on a le Link de Zelda 1 qui avait récolté la Triforce de la Sagesse. Je raconte des bêtises. Les fragments de la Triforce se réveillent. Ils fusionnent une fois de plus. Il y a 7 ans, deux fragments ont échappé à mon contrôle. Comment ont-ils pu arriver entre vos mains? Quoi qu'il en soit, les fragments vont enfin s'unir en ce lieu. Oh, let's go. Pauvres insectes, cette puissance n'est pas pour vous. Je vous ordonne de me les rendre. Oh, let's go. Oh, let's go. Combat final incoming. Link, je ne peux pas t'aider, l'énergie noire m'empêche d'approcher. Pardonne-moi, Link. Oh, t'inquiète, hein, franchement, j'avais pas besoin de ton avis. Je suis désolé de te dire ça, mais... Bref, le combat final, Seigneur du Malin, voilà. C'est parti, hein. Allez, vas-y. Crée ton explosion, et là, on va essayer de donner des coups de flacon pour renvoyer, bien sûr, la boule d'énergie. Allez, c'est parti. On se concentre. Avec le flacon, c'est magnifique. Let's go. Et après, on charge, bien sûr, l'arc de lumière. Hein. Non. Oh, c'est bon, je l'ai eu. Le classique match de tennis. Hein. Ok, let's go. C'est le moment. Et là, on y va. Allez, on y va. On lui donne des gros coups. Des gros coups d'attaque circulaire. Voilà, il en bave. Il en bave le... Oh. Allez, on se barre, même s'il en bave. Voilà, on reste concentré, c'est important. Bon, par contre, pour l'attaque finale, hein, on va bien sûr utiliser notre... Oh purée, notre Master Sword, il nous enlève tout ça comme cœur. Ah ouais. Mais attendez, est-ce que je me fais one shot? Ah oui, je me fais one shot, hein, si je me fais toucher. Hein. Oh purée, il va falloir que je sois très concentré pour pas mourir. Ok. Ouh, j'ai cru que ça allait pas passer. Allez, allez, allez. Ok, on y va, on y va, on y va. Ok, une attaque sautée, parfait. Et on enchaîne les attaques circulaires. On les enchaîne, on les enchaîne, on les enchaîne. Ça y va. Ok, on se barre. Cool. Là, j'ai peur qu'il me fasse sa giga attaque. Est-ce qu'on prépare le... Ouais. Là, il faut préparer. Là, il faut préparer la giga attaque. Tu vas te la prendre dans ta face, mec. Faut pas qu'on meure. Allez, on sort la Master Sword et on y va. Allez, j'espère qu'on va le battre. Ok, non, toujours pas. Mais c'est pas grave, il va refaire sa giga attaque, je pense. Non, il fait pas sa giga attaque. Coup de flacon! Et c'est le game over, on reprend le combat. On n'est pas là pour se laisser abattre, hein. Allez, on se concentre. Oh purée. Ah oui, mais il faut d'abord que je sorte le flacon. Parce qu'il y a une. Il y a un petit temps pour sortir le flacon. Ouais, du coup, je me fais avoir dès le début, super. Allez. Ok. Purée, mais c'est l'infini, là. T'as fini, là? Non, mais c'est pas vrai. Il dure combien de temps, cet échange, là? Ah, purée, mais j'ai cru que ça allait jamais s'arrêter. C'est terrible. Purée, j'ai loupé mon attaque sautée. Quel dommage. Allez, attaque circulaire un petit peu. Ok. Alors, flacon ou pas? Ok, flacon. Oula. Oh, je crois que ça allait pas passer. Ça passe très largement, le flacon. Allez, le flacon. Allez, le flacon. Le pouvoir du flacon. Le pouvoir du flacon. Ok, let's go. Let's go. Allez, on l'enchaîne, on l'enchaîne, on l'enchaîne. Des attaques circulaires en pleine face. Ok. Allez, on va voir s'il fait sa giga attaque. Non, c'est bon. Ok. Ok. Bon, c'est le combat le plus passionnant de l'histoire, hein. Franchement, ouais. Allez, c'est quand il veut, hein. Ouais, c'est super long, hein. Ok, c'est bon, parfait. Ouf! Et franchement, les échanges qu'on fait, ils sont super longs, hein, c'est impressionnant. Hein. Allez, crève. Attaque circulaire à volonté, là. Ok. Ouh, j'ai cru que j'allais pas réussir à... Allez, il va faire sa giga-attaque, je pense. Ouais, on charge. Nous aussi, on se charge.
Vas-y, charge, charge autant que tu peux, tant que tu le peux. Allez hop, crève, sale bête de Ganondorf. On arrive pour te défoncer. Allez, est-ce que ça va le faire cette fois-ci? Eh oui, on a battu Ganondorf, c'était assez facile. Je me suis fait avoir bêtement là tout à l'heure, mais c'est pas grave. Quoi, le gros Ganondorf vaincu par ce gamin? Vas-y, vomis ton sang vert là. Ah, on fait moins le malin, garçon, hein. Link. Vas-y, énerve-toi si tu veux. So long. So long, Ganondorf. Bon, bah, on va passer à la phase avec Zelda. Il va falloir s'échapper. Aïe, aïe, aïe. Eh, mais je suis en train de me rendre compte. Imaginez, je meurs là pendant... pendant qu'il y a les Stalfos. Je veux dire, quand on court avec Zelda, à un moment, il y a des Stalfos qui vont apparaître. Oh, mais ça se trouve, il y aura des haches-viandes. Oh là là, on est en Master Quest, on sait jamais, hein. Bon, on va dire bonjour à Zelda quand même, hein. On est poli, hein. Ça va? T'as pas trop souffert, là, dans ton cristal? Bon, ça va, elle est en forme quand même. Misérable Ganondorf. Sans un esprit sain et fort, il ne put maîtriser la puissance des dieux, et... Et ça s'écroule. Allez, viens, Zelda, viens. Viens, 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 qu'on en parle plus, là. Allez, il va falloir s'échapper, là. Ah, le chemin à Master Quest, il va être bizarre. Link, écoute-moi, la tour va s'effondrer. Dans son dernier souffle de haine, Ganondorf tente de nous écraser sous les ruines de cette tour. Dépêchons-nous. Suis-moi, vite. Ok. Ok, on te suit, Zelda. Et ouais, là, on va pas tourner dans le même sens que d'habitude, donc bon, ça va être un peu embêtant. Ah oui, attendez, oui, du coup, c'est là. On se fait avoir. Non, en vrai, ça devrait aller quand même, hein. Allez, on avance. Le début est simple. Voilà. Et bah, c'est parti. Vas-y, Zelda, ouvre la porte, s'il te plaît. Ouvre, ouvre. Avec tes pouvoirs. Let's go. J'espère que ça va pas être trop galère, les Stalfos. Ah, mais on a de nouveau toutes nos vies. Ah, cool. On peut se faire toucher par les Stalfos sans craindre de mourir. Enfin, si on... Oh, ça va, je perds qu'un seul cœur, j'ai eu peur. J'ai cru que j'allais perdre plus de cœur que ça. Attendez, il y a des pots, il y a des pots, il y a des pots. J'en profite parce que... Est-ce que j'en profite ou pas? Je préfère en profiter, on sait jamais. Vous savez quoi? Oh purée, je me fais défoncer, c'est pas grave. Allez, on y va, on y va. On n'a pas de temps à perdre, on y va. Ça se trouve, il y a des haches-viandes en plus à affronter, donc... On va se presser un minimum, quand même. Allez, voilà, on passe par là, on saute. Allez, Zelda, parcours TV. Ah oui, elle court. Elle marche. Elle marche dans les airs, normal. Bon bah écoutez, Zelda a des super pouvoirs, hein. C'est la princesse d'Hyrule après tout, hein. Elle a droit à des atouts. Allez, on y va. Est-ce qu'il y a des Stalfos ou pas? Non, je crois pas que ce soit cette salle. Les Stalfos, c'est la salle d'après. Donc, on reste concentré. On reste concentré. Est-ce qu'on peut one-shot les Stalfos avec les flèches de lumière, vous pensez? Ça se tente. Ça se tente, mais en même temps, j'ai un doute, hein. Ouh, c'était risqué, mais c'est passé, écoutez. Il nous reste 2 minutes 9. On va y arriver, vous inquiétez pas, ça va le faire. Je vais tenter, hein, flèche de lumière, en vrai, ça m'a l'air pas mal comme idée. Vas-y Zelda, fais-toi capturer encore une fois, parce que t'adores te faire capturer. Allez, let's go. Ok. Ah, juste ça paralyse le Stalfos. Bon bah finalement, c'est pas aussi efficace que ce que je pensais. On a encore du temps, hein. Ok, ça va le faire, ça va le faire. Il est où l'autre? Il est là. Mange-toi ça. Ouais, il craint pas trop, hein, avec son bouclier, il est beaucoup trop puissant. Oh purée, oh purée, oh purée. Ok. Oh purée, j'ai réussi, j'ai perdu un peu de vie, mais c'est pas grave. Merci Link, perdons pas de temps. Oh merci, oh oui, oh oui, oh oui, merci. Oh let's go, on s'est remis toutes nos vies. Allez, on va pouvoir terminer. Il y a encore un effroi à battre, hein, normalement. Mais pour l'instant, du coup, cet endroit ne change pas de la version classique, hein, de Ocarina of Time. Donc, à mon avis, on aura juste l'effroi à battre, et ça ira très bien. Donc cool, ça s'est bien passé, on va pouvoir affronter Ganon très bientôt. Allez, on rentre dans la dernière salle. Et après, il y aura le pont avec l'effroi. Allez, vas-y Zelda, fais tes allers-retours. Oh, puis non, en fait, pas par là. Et puis, bref, allez, vas-y. Arrête d'être choqué là, Zelda. Avance, on va y arriver tous les deux. Ah, ok, ça y est, le dernier couloir. Ok. C'est bon, Zelda? Il reste 1 minute 09. On va y arriver. Il reste juste le pont avec le Redead. Alors, on va voir si on peut pas le toucher avec les flèches de lumière. Je serais curieux de tester ça parce que, en vrai. Je sais pas s'ils se font one shot. Quoi? Attendez. Ah, mais non, d'accord. Il faut avancer tout doucement, hein, face au Redead pour pas qu'il nous remarque.
Voilà, on va le laisser dans son désespoir, on va le laisser mourir hein, avec l'effondrement du château, vous inquiétez pas. Il va se prendre des cailloux sur la tête et ça va le faire. Bon ben voilà, on a terminé, ça y est, enfin. Enfin voilà, on a juste les derniers escaliers à monter, mais... Oh non, on a plus qu'à affronter Ganon. Et là, ça a pas rigolé. J'ai perdu 3 cœurs, cela dit. J'ai perdu 3 cœurs, j'ai peur qu'il me mette une patate de forain et qu'il me one-shot. Et j'ai pas envie de recommencer tout ça. Donc, je vais être bien concentré. En plus, j'ai gaspillé toute ma magie, c'est terrible. Ouais. J'espère que ça va bien se passer. Ganon, normalement, il est pas trop dur à battre. Voilà. On verra bien. Le château s'effondre, hein, bien sûr. Allez, bye bye le château. Ah, quel dommage. Quel dommage. Le château de Ganon. Ah, c'est ouf, hein. Et il y a tout qui s'effondre. Eh ben, purée, le chantier de reconstruction, là, Grosaillé, va bien s'amuser, hein. Waouh. Ça y est, enfin, il y a tout qui s'est écroulé, ça a mis 300 000 ans. On va pouvoir affronter la bête. Nice. J'espère que je vais pas me faire one shot. Hein. J'ai vraiment peur de ça. Hein. C'est terminé, enfin. Ouais. Mais tu crois pas si bien dire, je pense, hein, parce que là... Oh, ouais, souris pas trop vite, Link. Ah, oh, Link, pardonne-moi, je n'ai pas pu t'aider. Bon, t'inquiète. On a géré. Oh là là. Il se passe quelque chose. Ouloulou. Allez, on va inspecter tout ça. Oh, ça fait peur. Waouh, mais qu'est-ce qui pourrait bien se passer là-bas? Allez, fini la rigolade. Fini la rigolade. Wouah, je suis de retour. Alors, Ganondorf, ça dit quoi? Allez, utilise la Triforce. Utilise la Triforce, mec. Oh mon dieu, Ganon, regardez ça. Let's go. Oh, ça c'est un cochon malade de compétition. Allez, on va perdre notre Master Sword, bien sûr. Faut absolument que j'équipe la masse des titans. Aïe, aïe, aïe. Et boum, Zelda transpercé, fin du game. Allez, cette fois-ci, je ne me laisserai pas faire. Nous combattrons ensemble. Ouais, bah, j'espère bien, Navi, hein, que tu m'abandonnes pas comme ça. Allez, vite. On se barre dans un premier temps, voilà. Les distances de sécurité, dans un premier temps, on a les flèches de lumière avec nous. Et on y va, on est concentré. Allez, voilà. Et on donne des coups de... Oh. Alors c'est pas ça que je voulais faire, moi c'était masse des titans. Voilà, masse des titans ça marche. Vas-y. Voilà, on fait une roulade, et ça marche très bien. Allez, crève. Si on le tient à distance, c'est parfait, hein. Attendez, parce que là, la caméra a un problème. Viens là. Voilà, la roulade qui passe bien. On lui met des coups de masse des titans. Bonjour, monsieur. Voilà, on alterne un petit peu, hein. Bon, c'est pas grave. Voilà, je veux pas savoir combien il me fait perdre de vie, hein. Oups. Oh, j'arrive pas à l'avoir. Oh, j'ai cru que j'allais crever. Ah, j'ai plus de magie, ok, d'accord. Ah oui, bon ben on est obligé de faire Y, hein. On va faire la masse des titans. Il n'y a plus le choix. Est-ce qu'il pourrait pas casser un débris là pour nous filer de la magie, le monsieur? Bon, ben en vrai je pense pas qu'il soit très coopératif, on va voir. Est-ce qu'il veut casser le mur? Vas-y, casse le mur. Oh merci, oh merci. Ok. Est-ce que je vais avoir mes... Non, j'ai pas eu mes fioles de magie. Quel dommage. Il faut qu'il casse un autre débris, hein, pour qu'il nous file de la magie. Ok, vas-y, merci, merci. Bon, il y a des bombes, hein. Ça va pas trop nous être utile. Ah, bah c'est bon, un coup de masse des titans et c'est terminé. Ok, bah là, on va récupérer la Master Sword, hein. L'épée de légende, vite. Reviens, Link. Ok. Ah, ok, je reviens. Y a pas de souci. Ah oui, c'est bon. Je l'ai eu, parfait. Il me reste pas beaucoup de magie, donc on va être prudent. Ah, ça y est. Il se remet en place, le Ganon. Voilà. Viens là. J'ai plus de flèche de lumière, hein, mais c'est pas grave.
Allez, on lui met des dégâts. On va essayer de faire en sorte de récupérer un peu de magie quand même. Alors j'avais pas besoin de flèche, moi c'était plus de la magie dont j'avais besoin, mais c'est pas grave. Elle vient là. Cochon malade. Allez, est-ce qu'on peut avoir un peu de magie? Oh, j'ai cru que j'allais crever. Mais j'ai eu de la magie, et ça c'est bon ça. Allez, on se concentre. Oula, j'ai cru que j'allais pas l'avoir, là. Allez Navi, aide-moi. Merci, heureusement qu'on peut viser grâce à Navi. Voilà. Bon, le combat, c'est pas le combat le plus passionnant de la Terre, hein. Voilà, c'est juste des roulades et on lui tape le bout de sa queue et puis ça passe très bien. Voilà. J'espère que je parle pas trop vite, hein, qu'il va pas me one-shot. Ah bah c'est bon. Bah on a réussi. Le combat final est terminé, hein. Franchement, assez simple, hein, finalement. Allez Zelda, merci de ta coopération. La Master Quest, bah globalement, j'ai kiffé de ouf. Mes pouvoirs paralysent le seigneur du malin. Utilise l'épée et porte-lui le coup de grâce. Ok, on va terminer ça. Oh, Zelda est fatiguée, oh mon dieu. C'est pas grave, on prend le relais. Oh, let's go. La lame purificatrice, elle est là pour tabasser. Allez, c'est parti. Le coup fatal de Ganon, let's go. Voilà, on a terminé la Master Quest. Mais franchement, j'ai kiffé. Les donjons étaient très rigolos, hein. On va voir quand même le final, hein, du jeu. Mais globalement, c'était très très sympathique. Si sage maintenant. Ok. Très surpris dès l'arbre mojo, hein, c'est ça qui est bien. L'arbre mojo annonce déjà la couleur. Est-ce que je vous fais le débrief après, pendant le générique de fin? Voilà, comme ça on casse pas l'ambiance. Ancien créateur d'Hyrule. Ouvrez le seau dimensionnel et renvoyez l'incarnation du malin dans le royaume infernal. Allez, c'est parti. Darunia, Ruto, Naboru, Impa, Saria. Tous unis contre la vie chère. Allez, non, je rigole. On y va. Là, ça va tabasser. Les lumières sont magnifiques. Franchement, je kiffe. Cinématique, très stylé. Et là, ça va pas rigoler. Le seigneur du malin banni pour toujours. Toi! Ouais, il est haineux, hein. Sois maudite. Zelda! La peste soit des sages! Ouais. Je te maudis, Link. Si tu veux, hein. Un jour, ce sceau se brisera et... je tuerai de mes mains tes descendants. Si tu le dis, ouais. Crois pas si bien dire, garçon, hein. Le Link de Twilight Princess, il est pas là pour rigoler, hein. Il est pas là pour rigoler, donc voilà. N'oublie pas, la Triforce de la Force est toujours en ma possession. Soit. Y a pas de problème, hein. Moi ça me dérange pas, ça crée de nouvelles aventures, moi ça me convient amplement. Cool. Ouais, bah c'était un plaisir de retourner sur Ocarina of Time. Ça change un peu de TOTK, hein, franchement, ouais, j'ai bien kiffé. Allez Zelda, renvoie-nous dans le passé, là. Renvoie-nous en Link enfant. Merci Link, grâce à toi Ganondorf est prisonnier du royaume infernal. La paix et la justice vont à nouveau régner sur ce monde, et pour longtemps. Je suis responsable de tous les maudits Hyrule. J'étais si jeune, j'ignorais que le contrôle du Saint-Royaume pouvait entraîner tant de troubles. Je t'ai fait prendre beaucoup de risques. Il est temps pour moi de réparer mes erreurs. Laisse derrière toi l'épée de légende et scelle la porte du temps. Mais en faisant cela, les chemins du temps seront à jamais fermés. Link, rends-moi l'ocarina. Alors non, parce que l'ocarina, il est trop bien. En tant que sage, je peux te renvoyer dans ton temps. Ouais, moi je l'aimais bien cette ocarina. Bon ok, c'est bien parce que je suis sympa, hein. Allez, vas-y. Bon, tu le prends ton ocarina? La paix est revenue en Hyrule. Il est temps de nous dire adieu. Bon bah adieu alors. Adieu Zelda, mais c'est pas terminé parce que d'autres aventures nous attendent. Rentre chez toi Link, retourne à ton époque. Ta maison, là est ta place. Là est ton temps. Allez, il va avoir une vie enfin ce Link. Une vie normale. Cool. Ce serait marrant d'imaginer la vie de Link là juste après Ocarina of Time. Bon, bah on la connaît la vie de Link après Ocarina of Time, hein. C'est Majora's Mask bien sûr. Parce que bah, il est parti chercher Navi qui l'a abandonné malheureusement. Enfin, après, Navi a fait son taf, hein, donc voilà. On va dire qu'elle avait rempli sa mission.
Merci, Link. Adieu. So long. So long. Aïe, aïe, aïe. Ah yes, c'est le générique de fin. Let's go. Alors après, on aura une cinématique finale, pardon. Et voilà. Débrief Master Quest, franchement c'était très 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 sympathique, merci à vous pour votre enthousiasme. Alors je vais pas vous cacher que je tourne beaucoup en avance, j'ai eu les retours de l'épisode 1 seulement là, mais bon, je tourne en avance parce qu'il y a un moment où j'aurai plus le temps de tourner pendant très longtemps je pense, donc voilà, je préfère profiter d'avoir un peu de temps, mais ça m'a fait plaisir de voir vos retours là sur l'épisode 1, c'était cool, et j'espère que les suivants vous ont plu également du coup, voilà, bah moi j'ai kiffé. J'ai kiffé redécouvrir un peu ce jeu parce que je me souvenais absolument pas de la Master Quest. Vraiment, j'avais aucun souvenir, donc... Bah voilà, bah c'était très sympa, très fourbe. Franchement, les donjons, ouais. On sent dès l'arbre mojo que c'est un peu plus compliqué. Après, on s'y fait, franchement. Caverne de Donguo, bon, bah voilà. Ça suit un petit peu la logique. Le ventre de Jabu Jabu avec les vaches, c'était juste trop rigolo. Enfin, voilà. C'était assez fun. Y a un truc marrant, c'est qu'on obtenait assez souvent l'objet vers le début des donjons. Donc, bah, c'était assez surprenant parfois, notamment au temple de l'eau où je m'attendais pas à avoir le grand grappin si tôt. Mais voilà, globalement, bon, les combats de boss sont pareils, hein, ça change pas grand chose. Par contre, les énigmes dans les donjons, waouh, c'était autre chose, hein, franchement, c'était assez dur. Mais c'est bien, on les aura fait à 100% les donjons, puisqu'on aura récupéré toutes les sculptures là et tous les coffres à chaque fois. Donc je suis vraiment très content, on aura même fait les mini donjons bonus, qui eux aussi sont différents, donc à savoir le puits, la caverne polaire et le gymnase Gerudo. Tout ça, c'était vraiment très très cool. Que dire de plus? Oui, du coup, franchement, je pense que mon temple préféré, c'est le temple de l'esprit en Master Quest. Enfin... Toutes les énigmes étaient trop bien, j'ai vraiment surkiffé la salle des différents chants, il fallait capter que c'était... Enfin, qu'il fallait jouer tous les chants, enfin tous, une partie en tout cas. Et puis voilà. Étonnamment, le Temple de l'Ombre était pas si compliqué que ça, enfin je veux dire, pour la Master Quest, ça m'a étonné, je m'attendais à vraiment plus dur. Juste, bon, deux fois, je me suis fait avoir par les yeux, enfin... Mais vers le début, il y avait l'œil qui crachait du feu, là. Celui-là, je sais pas, j'ai galéré à faire en sorte de pouvoir le toucher. Et sinon, j'avais galéré à trouver l'œil qui permettait d'accéder à la... aux dernières salles du donjon. Enfin, bref. Mais sinon, caché derrière le bloc champ du temps, je sais pas si vous vous rappelez, mais bref. Voilà, on a terminé Ocarina of Time Master Quest. Ce qui nous attend après. Je pense, alors je suis pas encore sûr à 100%, mais je pense vous proposer derrière le premier Zelda, la première quête. Voilà, parce qu'en fait, j'avais proposé il y a très très longtemps, c'était mon deuxième let's play sur la chaîne. C'était la seconde quête du premier Zelda. Et en fait, je me suis dit, bah, ce serait pas mal de faire la première quête un jour, non? Voilà. Donc, pourquoi pas, ce sera un let's play assez facile à tourner pour moi, parce que la première quête, je la connais assez bien. Je pense qu'en environ 4 heures, je peux finir le jeu, donc voilà. Je vais essayer de proposer un système, un donjon, un épisode, voilà. Alors, comme la Master Quest de Ocarina of Time, mais sauf que là, je montrerai quand même les passages dans l'Overworld. Purée, le guru-guru, il est à l'envers. Là, c'est la fête. Parce qu'en fait, là, il y a tout qui change en première quête par rapport à la seconde quête. Enfin, l'un et l'autre, les emplacements des donjons ne sont pas les mêmes. Donc, voilà. Il faut quand même... il faut quand même que je vous montre l'Overworld. Donc, ce sera un let's play normal. Donc, si vraiment ce let's play arrive, eh ben, ça arrivera assez prochainement. Et je pense qu'à l'heure où sort cette vidéo, bientôt, ce sera l'anniversaire du premier Zelda. Donc... voilà, peut-être que j'essaierai de sortir ça le 21 février, justement. Pour les 38 ans, vous rendez compte, 38 ans de Zelda, c'est juste ouf. Enfin bref, ben voilà. Du coup, pour les plans à venir, TOTK, ça avance doucement, voilà. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai tourné l'épisode 106. Et voilà, les pourcentages montent bien, donc... il reste plus grand-chose à faire. Et je pense que Zelda 1 accompagnera... TOTK à la manière de ce Let's Play Master Quest qui a accompagné Zelda Tears of the Kingdom et petit à petit on arrêtera le format Let's Play. Il y a une petite surprise concernant A Link to the Past que j'aimerais bien vous proposer. Je vais pas vous en dire plus pour le moment parce que j'ai pas encore réussi à trouver la bonne save disponible, mais voilà, n'hésitez pas à me donner votre pronostic en commentaire si jamais vous savez. Enfin, si vous avez une petite idée, c'est un truc qu'on n'a pas fait dans le Let's Play et ce serait un épisode bonus. Voilà, je pense que j'ai quand même donné assez d'indices.
Et après, sinon, bah, je vais quand même essayer de continuer de faire des vidéos. J'aimerais bien refaire des top 10, parce qu'en vrai, genre, c'est cool de faire des top 10, et je sais que ça vous plaît bien. Mais j'aimerais aussi également vous proposer des vidéos, notamment. Alors, il y a un truc que j'aimerais faire, mais je sais pas, enfin, j'ai pas envie de donner trop d'informations non plus, mais ça concernerait les versions japonaises des Zelda, voilà, j'en dis pas plus, mais et ce serait une vidéo de type documentaire, bah, je crois que j'en ai trop dit en fait, enfin voilà. Un peu comme j'avais fait avec le design de Link à l'époque. Voilà, mais petit à petit, là, les let's play, ils vont diminuer, hein. Il y en aura plus autant qu'avant, donc et ce seront sûrement des petits let's play, parce que Tears of the Kingdom, c'est super long. Et autant vous dire que là, bah c'est assez chaud, enfin... C'est assez chaud de tourner un let's play comme Tears of the Kingdom, plus de 100 épisodes. Voilà, sachant que c'est pas mon métier, YouTube, et qu'il y a d'autres choses dans la vie, enfin... C'est assez compliqué de tout organiser, ça me prend beaucoup, beaucoup de temps, donc... Bah voilà, je fais au mieux, mais j'espère que ça vous conviendra, tout ce qui arrivera. On a un plan final avec la Master Sword, qui a tabassé, bien sûr, Monsieur Ganon. J'ai vraiment kiffé ce let's play, c'est un let's play détente pour moi, vraiment très cool. Ocarina of Time Master Quest, très très belle redécouverte du jeu. On va assister au générique de fin spécial Ocarina of Time 3D. Et après on se laissera. Et j'adore la musique du générique de fin de Ocarina of Time 3D. D'ailleurs, bah, vous l'entendez à chaque fois dans l'outro des vidéos. Hein. C'est clairement ça. Allez, on va assister à la scène finale. Voilà, Link qui rend visite à Zelda. Alors, ça dit quoi, Zelda ? Bon, voilà, ce n'était qu'une salutation. Oh, regardez, on voit la Triforce du courage. Enfin, du coup, de la sagesse, hein, vu que c'est la... Vu que c'est la Master Quest, ça a inversé la droite et la gauche. Enfin, bref. On voyait, du coup, la Triforce, voilà, sur la main de Link. Bref, c'est fini, assistons au générique. Bonus. La musique est beaucoup trop stylée. Voilà. Maintenant, c'est les personnes qui ont travaillé sur le remake Ocarina of Time 3D. Si jamais vous êtes tombé par hasard sur ce let's play et que vous voulez plutôt voir une aventure complète de type 100%, eh bien écoutez, il y a un let's play qui est disponible justement à 100% qu'on a fait il y a... bah, il y a bientôt... il y a bientôt 4 ans à l'heure où cette vidéo va sortir. Donc... voilà, ça commence à dater. Alors c'est marrant parce que du coup là, ces visuels, ils viennent de la version normale et pas de la version Master Quest, hein, pour ce générique de fin. Donc Link est de nouveau gaucher. Bon, la Master Quest est donc terminée. Mais cette musique est juste magnifique. Je vais vous laisser un petit peu la musique. Et voilà, Nintendo, Grezzo. J'aimerais bien revoir une participation de Grezzo là, pour un jeu de Nintendo, ce serait très très cool. Et c'est la fin du jeu, c'est la fin du let's play. Franchement, j'espère que vous avez kiffé, moi j'adorais. J'adorais Ocarina of Time Master Quest.
Je vous propose, voilà, qu'on s'arrête ici. J'espère que ce let's play vous a plu, moi j'ai kiffé. On se retrouve très bientôt pour la suite. C'était Erinko, portez-vous bien. Ciao tout le monde.